Plusieurs entreprises françaises ont commencé à se pencher sur le sujet en se disant ben, on va commencer à travailler sur la partie intelligente et proposer des services annexes complémentaires à ce déploiement qui va arriver de façon inéluctable parce que nécessaire. Donc à partir de là, ce qu'on a installé sur la rue Bourdelle, comme ça avait bien fonctionné, qu'on avait atteint des objectifs qui étaient assez corrects, dès qu'il y a eu le budget participatif qui a voulu aller un petit peu plus loin, on s'est dit on va profiter de ce budget, plus les apports technologiques supplémentaires qui sont arrivés, pour essayer de proposer encore un cran au-dessus, parce que c'est des technologies qui vont très très vite, et en même temps qui sont vraiment, on est dans la nouvelle technologie, c'est des produits qui existent que depuis très très peu de temps. Donc on s'est dit, fort également de toutes les nouvelles recherches qui étaient arrivées d'un point de vue nuisance lumineuse, pollution lumineuse, impact de la lumière sur la santé, donc ce qu'on appelle le cycle circadien donc chez les individus, l'impact de la lumière sur la biodiversité, donc comment on pouvait corréler justement la LED, les nouvelles technologies qui arrivaient, tous ces nouveaux enjeux qui commencent à être identifiés par différents chercheurs, donc il y a pas mal d'études qui sont sorties sur ces sujets-là, et comment essayer, à partir du moment où on va changer tout ce parc, faire converger tous ces enjeux, toutes ces technologies pour vraiment faire quelque chose qui réponde à l'ensemble des nouveaux enjeux justement sur lesquels on a commencé à réfléchir. Ça, c'était la partie éclairage. Donc, comment on peut faire un éclairage plus intelligent? Donc, ce capteur, ce module est équipé d'une toute petite caméra, on ne la voit pas, hein, c'est vraiment c'est la taille des petits imageurs qu'on a dans les smartphones, qui est installé juste en dessous du luminaire et qui, lui, peut voir tout ce qui se passe en dessous. C'est des images dégradées, on ne voit pas de plaque, on distingue un véhicule, un vélo, un piéton, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Les images sont traitées en local, ne le remontent pas, donc c'est vraiment un capteur. C'est pas une caméra de surveillance ou quoi que ce soit, tout est traité en local par l'intelligence de la petite caméra. Et cette caméra est capable de détecter des véhicules, détecter des piétons, de discriminer donc, les différents types d'usagers. Et en fonction des détections, eh ben, on va moduler l'éclairage. Donc ça, c'était le premier enjeu. Et en discutant avec Cavantech, du coup, il vient me voir en me disant « Mais tu sais, on a travaillé entre-temps, on peut vous faire du parking en plus. » On se dit « Tiens, c'est vachement intelligent. » Il dit « Bah oui, moi je sais détecter un vélo, un piéton d'une voiture. Si je suis au-dessus d'une place de parking, il suffit que je délimite la zone. Et si je donne un identifiant au parking et que je remonte, je peux dire si la place de parking est occupée. On balance ça sur des applications smartphone et du coup, on rend un service supplémentaire à moindre coût. » Et là, on commence à mutualiser les usages. Donc vraiment, on est dans cette démarche Smart City. Comment je peux, avec une seule action, commencer à avoir différents leviers, différents cas d'usage, toujours quasiment à prix constant. On est sur des choses, c'est juste qu'un peu d'intelligence, de la R&D de la partie Cavantech qui nous a permis de fournir des fonctionnalités supplémentaires. Donc là, aujourd'hui, la démo qu'on va vous présenter ne concerne que la partie éclairage. On a encore un peu d'intégration à faire sur la partie logicielle pour intégrer donc notre partenaire, c'est Parking Map, qui lui est spécialisé dans les plateformes de collecte d'informations de parking. Il est agnostique, il n'est pas lié avec des fabricants de capteurs. On prend la plateforme qui est indépendante, qui est vraiment libre, et en dessous, on va pouvoir... Et c'est le même partenaire qu'on utilise sur le 4e arrondissement pour gérer des places de parking de livraison. Donc ce partenaire-là, ben, on a l'intégration, on a fait les tests usines, et dans quelques semaines, on vous aurez l'intégration, et vous pourrez prendre l'application Parking Map, la mettre sur votre smartphone, et avoir la disponibilité des places de parking qui sont ici, qui sont détectées par le luminaire. Donc, double température de couleur, pour réguler justement le cycle circadien, perturber moins la faune et la flore, parce que justement, quand on est sur du jaune, ça impacte moins la biodiversité, la gestion du parking qui va arriver par-dessus. Donc, c'est toutes ces innovations-là qui sont juste cachées dans une petite carte électronique, dans une gamelle, sur laquelle il y a une chaîne de valeur assez complète qui a été mise en place, hein, entre le fabricant de luminaires, les fabricants de LED, la partie électronique, toutes les équipes techniques ici, et notre partenaire qui nous a fourni le réseau radio, qui nous a aidé à intégrer tout ça, puis les logiciels informatiques qui sont dans notre data center, qui permettent de faire communiquer un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que d'ici, on se dit, bah tiens, c'est juste une lumière qui s'allume et qui s'éteint au passage de quelqu'un. Mais effectivement, voilà, c'est plus d'un an et demi de travail avec toute cette chaîne de valeur qu'il a fallu mettre en place. Il y a plus d'une dizaine de protocoles informatiques différents pour faire cheminer l'information jusqu'au luminaire. Donc, c'est la R&D. Aujourd'hui, c'est une innovation aujourd'hui nationale. C'est la première fois qu'on fait ça sur le territoire. Double température de couleur couplée à la détection. Et donc, la fonction parking qui est un plus, qui a été la petite cerise sur le gâteau, mais qui est vraiment dans l'air du temps de ces nouvelles technologies qui permettent à chaque fois qu'on met un objet, de voir comment on peut travailler dessus pour commencer à plugger d'autres usages, à raccorder d'autres usages par-dessus et être multi-usage juste sur une seule application. Bravo, c'est formidable. Ouais. C'est formidable. C'est précis. Donc l'essai de montée et de descente à la détection était programmée et donc sont programmables. Donc on monte l'intensité, dès qu'on a une détection en quelques secondes, on est au niveau haut. On reste au niveau 30 secondes à peu près, puis après on a une descente qui est beaucoup plus lente.
pour que justement il y a un niveau de perception qui soit pas trop. Qu'on n'ait pas un effet thromboscope, discothèque, au moment où ça s'allume et ça s'éteint quand les gens y passent. Quoi. C'est vraiment, on est des montées, des descentes. Teddy, si tu veux rajouter quelque chose. Donc, Teddy qui est responsable du service d'éclairage public de la ville de Paris. Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Zenel a dit l'essentiel. On avait déjà mené une première expérimentation sur la rue Antoine-Bourdelle, dans le 15e déjà. Où là on était vraiment sur de la gradation de couleurs, enfin de la gradation de lumière avec détection de présence sur 15 points lumineux à peu près. Notre idée c'est vraiment d'essayer de valoriser au mieux, de mieux valoriser, de mieux éclairer, donc de mieux valoriser ce réseau qu'on ne voit pas, qui est souterrain, mais qui est vraiment une richesse unique, c'est-à-dire que c'est un réseau très maillé sur l'ensemble de l'espace public, c'est un réseau alimenté. Et donc c'est un réseau qui permet aujourd'hui d'envisager beaucoup d'autres usages que le seul éclairage public. Et donc à partir de ça, l'idée c'était de franchir un palier supplémentaire en augmentant déjà l'échelle de l'opération. Parce que là on est maintenant sur 80 points lumineux versus contre les 15 de l'expérimentation précédente. Aujourd'hui on a d'autres opportunités comme la variation de température de couleur. Zenel le disait, ça permet, c'est une avancée qui permet de moins impacter notamment les insectes et les plantes. Donc c'est une vraie avancée au niveau du respect de la biodiversité. On a également d'autres usages permis, donc comme à terme la détection des places de enfin, l'aide au stationnement, donc qui va être là un vrai palier. Et puis dans un temps supplémentaire ultérieur qu'on définira assez prochainement, il y aura aussi les capteurs sonores. Il y avait aussi l'idée d'injecter aussi de la détection sonore dans l'opération. Dernier petit point pour préciser les choses, en termes d'énergie, il y a un gain énergétique aussi qui est très très important. Mieux éclairer, c'est aussi éclairer plus sobrement, c'est aussi mieux respecter les ressources. On a prévu sur cette opération-là, par rapport à l'installation préexistante, un gain, disons, on va le dire en puissance. Les luminaires initiaux présentaient une puissance de 150 watts et on va passer à peu près à 31 watts moyen en équivalence, c'est-à-dire en prenant en compte l'allumage et l'extinction, le niveau bas et le niveau haut. Donc on sera à 30 watts contre 150 initialement. On voit bien le gain énergétique permis. Donc c'est aussi, il y a aussi ça dans cette opération, il y a aussi cet objectif de mieux respecter les ressources. Les mesures après coup nous ont permis de confirmer qu'on avait bien atteint les objectifs d'économie d'énergie et qu'on allait plus loin que juste le changement de la dette. C'est bon boulot. Ce que je voulais ajouter, c'est également sachant que le système de détection, lui, est très efficace. C'est-à-dire qu'il a fait ses preuves, il est d'ailleurs en place rue Antoine-Bourdelle, toujours dans le 15e. Donc. Oui, je sais, je l'ai inauguré il y a quelques années. Et donc, même si le niveau bas peut sembler très bas, on verra à l'usage, mais même s'il peut sembler très bas, la moindre détection de présence, que ce soit piéton, cycliste ou véhicule, nominal. Ramènera au niveau nominal. Oui, alors là, on va commencer un prochain marché de l'éclairage public le 28 octobre pour 10 ans. Et ce marché prévoit une enveloppe dans l'idée de déployer à plus grande échelle ce type de dispositif. On a une enveloppe assez conséquente et on prévoit normalement à peu près 5 gigawattheures, je vais tout de suite contextualiser, mais 5 gigawattheures d'économies supplémentaires par rapport aux économies présentes dans le contrat, sachant que les économies globales du contrat sont de 30 gigawattheures. Donc on prévoit un sixième d'économies supplémentaires. Voilà. Par rapport au contrat. Donc oui, ça va permettre des économies substantielles. Et ça va se déployer à plus grande échelle. On n'a pas encore de programmation et de plan, mais on a une enveloppe prévue dans le cadre du prochain marché. Une configuration de rue bien particulière. Oui, comme on disait, pour que ça fasse sens, il faut forcément une alternance. On ne peut pas imaginer ce type de dispositif sur une avenue extrêmement fréquentée, sinon l'investissement serait à perte. Les étapes suivantes pour aller un peu plus loin, là, comme on disait, on est vraiment au début de l'histoire, c'est qu'on a les véhicules connectés qui sont en train d'arriver, les véhicules intelligents, donc ces véhicules-là ne peuvent pas rouler tout seuls juste avec
leurs capteurs bardés. Ils ont besoin d'avoir une infrastructure intelligente. Donc aujourd'hui, il y a les premiers travaux qui sont faits dessus. Comment, avec des capteurs déjà installés dans le luminaire, qui ont déjà une fonction de base et qui ont déjà retrouvé leur retour sur investissement, comment on pourrait toujours, dans l'idée de mutualiser, faire plus avec ce qu'on a, réutiliser les informations qui sont là pour pouvoir les envoyer au véhicule, pour qu'un véhicule qui tourne puisse savoir ce qui va se retrouver de l'autre côté et pouvoir déjà réguler sa trajectoire et anticiper un petit peu. Donc il y a des projets d'innovation qui sont donc subventionnés, qui sont poussés avec des consortiums et puis des écosystèmes qui commencent à travailler dessus, mais ça c'est d'autres opérations. Donc à terme ça arrivera sur Paris, il y a déjà quelques opérations de véhicules connectés qui sont en cours. Donc il y a ces réflexions-là qui sont déjà là, comme le disait tout à l'heure, c'est qu'on a le maillage de l'éclairage public, il est prégnant, il est présent sur toute la ville. Et une fois qu'il est présent sur toute la ville, si on commence à avoir des capteurs un peu partout, on peut avoir des informations complémentaires qui peuvent alimenter des systèmes tiers. Alors peut-être vous êtes fait la réflexion que les passages piétons ne sont pas suffisamment sécurisés ou que certaines rues ne sont pas franchement éclairées. Eh bien dans le 15e arrondissement, la mairie vient de faire installer différents dispositifs rendant la vie peut-être un peu plus facile et garantissant en tout cas une meilleure visibilité. Nicolas Droussy, Jean-Baptiste Graziani. À ce passage piéton, des lumières au sol indiquent aux riverains qu'en traverser. Un éclairage qui en rassure plus d'un. Je trouve ça assez cool, surtout on voit vachement bien les petites lumières. Ça aide à voir tout simplement le passage piéton, il y a beaucoup de circulation dans le coin. C'est un peu trop éblouissant, mais c'est bien pour la visibilité. Mais dans le 15e arrondissement, ce sont surtout ces luminaires qui intriguent les passants. J'ai été un petit peu surpris d'avoir un éclairage qui s'allume quand je passais. Je me suis dit, tiens, je dois avoir un attrait très important parce que la lumière s'allume quand je passe. Il s'agit de smart lighting ou lumière intelligente. Chaque luminaire baisse d'intensité selon le nombre de passages dans la rue. On est venu rajouter des petits modules intelligents qui sont équipés de toutes petites caméras qui permettent de détecter donc des véhicules, des piétons, des vélos. Il s'agit d'une première expérimentation sur le territoire national et autre innovation de cet éclairage, la capacité d'adapter les couleurs. On va essayer de travailler sur ce que nous on appelle dans notre jargon la température de couleur. En début de soirée et en fin de matinée, on est sur du blanc, parce qu'on a besoin d'avoir une lumière blanche qui réveille les gens pour que les gens continuent à vivre. Et en milieu de soirée, de 23h à 5h du matin, on bascule sur du jaune pour apaiser la ville. En tout, 80 luminaires intelligents sont répartis dans une demi-douzaine de rues de la capitale. Cet éclairage intelligent ne peut être mis en œuvre que dans des rues où il y a très peu de passages, pour permettre à la fois des économies d'énergie, des économies de coûts. Le projet a été entièrement financé par le budget participatif voté par les habitants.